Oui, j'ai juste un test. Hein? Ceux qui veulent me voir souffrir devant ça. Devant Keke, devant Jackie Tuning, Christophe Maé, comme je l'appelle. Alors, ce qui est intéressant de préciser, c'est que tu n'as jamais joué de ta vie à Animal Crossing. Tu t'es refusé ça. Oui, je vais continuer à le dire. Là, je vais juste souffrir pendant 1 heure, c'est ça? C'est ça. Et Tu c'est... vois, moi, quand je t'ai donné tes punitions, c'était un bon jeu. Ah ouais, non, 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 c'était une punition, je déteste ça. Et ben C'était un voilà ta bon jeu, quand punition. même. Mais attends, ce jeu est quand même extrêmement bien vendu, donc tu t'imagines qu'il C'est y pas a... parce qu'un jeu se vend bien que c'est un bon jeu. Regarde Call of Duty. J'allais dire, regarde GTA V, mais là je suis très méchant. Fred, tu commences quand tu veux. Maintenant, Bon? ce... Tu penses quand je veux? Dans 59 minutes. Là, vous allez vous faire chier, tu là. peux nous raconter toute ta vie. Alors, Alors, t'as... tout commence au moment où il y avait les dinosaures. Alors, bah, Ah, je suis y a vieux. du monde en masse qui arrive là. En masse! Ouais, il y a Marion Chan qui était là, il y a Abdulito Kun, il y a, Lorraine, il y a plein de gens, et ils t'encouragent tous. Allez, président, Animal Crossing, c'est de l'amour. Apparemment, tu dois aimer. Mettre ta positive attitude. Alors, je vais avouer quelque chose. Un de mes genres de films les préférés, ce sont les comédies romantiques. Donc, tu vas Donc peut-être me suivre. j'aime le côté romantisme, j'aime l'amour. Mais là, Tu vas peut-être découvrir justement, Fred, une nouvelle façon d'aimer. Car aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. aimer, c'est voler si haut. Exactement. Aimer, c'est voler des paréos. Donc il s'appelle vraiment Keke, alors. C'est ça que tu disais. Il s'appelle vraiment Keke. Et voilà, petite Et histoire. en version japonaise, il s'appelle Keke comment? aussi. Pour la petite histoire, c'est le compositeur des musiques qui s'incarne dans ce personnage. Pas mal pauvre. Il a un regard cabot quand même. Apparemment, pour certains, Animal Crossing, c'est pas de l'amour, c'est de la zoophilie. Oh putain! J'ai oublié, on est chez Nintendo, les gens n'ont pas de voix, ils font des bonnets, des bruits. On peut pas toujours avoir quelqu'un qui nous suive pas faire. Qu'est-ce que tu veux quand tu veux, où tu veux? Je vais chier devant vous! Non, je peux pas faire ça. Oui, un peu d'indépendance, de liberté. Mais ça tombe bien avec Pixel Barbecue! L'indépendance, la liberté, les scrotums et les bites. Ça fait du bien. Tu vas mourir avec la tête. La vie tout seul est pesant. Oh, ferme ta gueule. Oui, mon pote. Non, 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 on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ils disent, oh, il est dans un nouveau monde. Elle est forte, hein? Et on remercie notre sponsor, Christophe, de faire soutenir ça. Oh, tu Tout le monde dans le train, c'est parti pour une petite balade. Il vient proposer des bonbons, c'est ça? C'est un pédophile, en fait. Exactement. C'est parti? Non, attends. Jean, là, t'es sûr? Non, j'ai pas encore assez entendu la musique depuis tout à l'heure. Oh, c'est parti. Ah, putain! Comme les partouzes, quoi, en fait. Tout seul, une partouze, c'est chiant. Vas-y, Christophe Maé. Donc là, pour information, tu joues à la version GameCube. C'est la première version. En fait, la version, c'était la toute première était C'est sur... sérieux? C'est la version GameCube, ça? Ouais, et c'est exactement les mêmes, tu vois, depuis le Non, mais début. attends. J'ai cru que c'était la version N64, hein, tellement c'est moche. Ah ben, eh bien, mais heureusement que tu dis ça, parce qu'en fait, c'est la version 64, simplement upscalée. Ah putain, comment c'est Il moche n'y en avait aucun plus. changement entre les deux. Bah, c'est l'habitude de Nintendo, il n'y a jamais de changement entre leurs jeux. Donc... Et entre aujourd'hui et maintenant, je suis désolé, c'est les mêmes personnages, sur les mêmes graphiques. Ça fait 10 ans. 15 ans. Ils ont bien rentabilisé. Hein. Ouais, c'est ça, les samedis. Si je te dis non, tu vas faire quoi? Putain, il te demande l'heure, tu l'aides, et ça le fait rire. Non, si tu veux, je peux te faire rire, j'ai une bonne blague. C'est deux petites filles sur un banc qui parlent. La petite fille, elle fait comme ça. Moi, mon papa, il a un zizi comme ça. Et l'autre petite fille, moi, mon papa, il en a un tout petit comme ça. Mais ça fait mal quand même. Ah, tu m'étonnes.
tu as gagné des gens, ça arrive en masse, tu peux continuer. J'ai promis de ne pas m'endormir et de vous tricoter. Moi je te promets pas, hein, Charlie. Maintenant, si tu lui avais répondu non, il aurait refait tout son laïus, en fait, c'est ça? Je sais pas, je t'avoue. Ça, on veut faire non. Oh, comment c'est moche, le dé... Attends, sous le côté, le gars, il a dessiné une merde, il fait « Oh, c'est cool, ça fait un fond. » Il a fait un dégradé sous Photoshop, et voilà, c'est fini. Oh là là! Les gens disent que c'est horrible. Ils aiment beaucoup ta blague. De mémoire, on peut pas changer l'horloge interne de la console pour tricher. Le jeu le détecte. C'est vrai. Alors, attends, pourquoi faire? Hein? Et tu pouvais avancer le temps, en fait. Pour faire passer le temps plus vite? Mais tu verras toi-même qu'on va vite comprendre les mécanismes du jeu. Donc, fait, comment tu t'appelles? Toi, tu m'en parles encore. Ah si. Mais quoi? Charmant. Oh le nom. On a beaucoup de filles ce soir. J'imagine que c'est parce que c'est tu touches à une partie de l'intimité. Est-ce que je pense que n'a pas d'importance quoi qu'il en soit. Tu aimes ton nom, trop belle. Ouais, mais j'ai la tête, ouais, mon trou de balle! Ah putain, je suis une fille en fait! Ah bah attends, tu vas voir. Bah ouais, attends. Non, attends, j'ai pas mis Peggy 18 sur le. Bah, vaut mieux que tu la tournes fort dans ta bouche que dans la mienne. Donc deux chats en plus, c'est rapide. Tu vas où? S'y attendre. Ah bah oui, c'est ton cul. Dans ton cul, il a de la poigne comme elle pour passer les vacances. Il y a des gens qui laissent. C'est un live sous le signe de la poésie. Pourquoi t'es rentré dans ton cul? Je déménage dans ton cul. Il promet. Où vas-tu habiter? Ah, lâche-moi, t'es chiant. Putain, c'est Pascal Podcol, ce mec. C'est qui, Pascal Podcol? Je sais pas, c'est son nom. Il s'appelle Pascal Podcol, maintenant. Des gens comme ça, dans le train, c'est simple, je mets un casque, et tu fermes ta gueule. Et mon ami, à moi, possède un magasin dans ton cul. En plus de ça, il a un petit pull en jacquard, là, de toute beauté, et sa queue, c'est à peine tendancieux. Il s'appelle Nook. Le mec, il m'a parlé pendant 5 minutes. Je connais quelqu'un. Il me connaît déjà bien.
Tu peux donner un coup de main à mon trou de balle? Ah ben non, vive la fistine. Et que va-t-il t'attendre, hein? Un trou de balle. Je crois que tu es dans la merde. Et Margot, un live sous le signe de la poésie. Game Forever. Ce regard de pervers. Je t'ai manqué. Je vais y arriver, frère. Mais ça parle bientôt, trop. Bientôt tu vas jouer. Ça parle trop. Bah, bienvenue chez Nintendo. Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je sais pas moi. Comme il y a beaucoup de monde qui arrive, tu peux peut-être expliquer quand même le but de cette soirée. Il y a plein de monde qui vient. Le but, c'est de me faire souffrir sur Animal Crossing sur GameCube. Tout ça pour fêter les 1000 fans. Ah bah mais non. S'ils avaient été, j'aurais pas venu hein. T'as le mec qui me demande si j'ai des sous. Il va me braquer, il va me braquer. Il y a des gens qui regardent ça pendant qu'ils révisent en même temps. J'ai vu, ouais. Ça va être très dur de rester concentré, je crois. Oh non, il va s'y installer aussi. On va arriver à dans ton cul. Ça va être un gros tuel tout noir. Mais non, c'est pas moi. J'espère que je vais pas leur croiser. Ils disent que sur DS c'est beaucoup moins long. On a peur de chier. Mais non, mais dans ton cul. Elle a marche dans ton cul. Donc cet être habillé de façon n'importe comment, c'est moi. C'est toi, frère. Il est corne en plus. Lui, c'est un singe. Je vais essayer de continuer à parler. Un quart d'heure, et ça va. Ah, Tom Nook, tu connais pas encore Tom Nook. Ça va être ton meilleur ami, tu verras. Je vais pas te spoiler, hein. Je vais te laisser découvrir ce personnage emblématique d'Animal Crossing. Oh putain, il y en a d'autres, je vais faire ça. Et ils sont tous pour rien dans ce truc, hein. Ça, c'est genre, je suis sûr, c'est le genre de gars à raconter une blague, genre, quoi. C'est un gars, il rentre dans un café, plouf. Voilà. Arrête de rire, t'es un connard. Ouais, moi, pardon. À genoux. Implore-moi, maintenant. Attends, Luke. Je me demande si c'est vu du colon. Ah bon, plus. Oh putain, c'était bon. Oh moi tiens. Les portes m'ont pas de fer. Tu peux voir venir la nuit et faire des choses. Et Tommy Nook. Je loue des maisons à des petits enfants.
Il a frappé à la porte alors qu'il n'y a personne dedans. Je sais pas si t'as remarqué la logique. Oh, génial, un cachot! Je suis Anne Frank! Ah, oh, la musique, allez, Sinatra. Oh, mais... Bon, ce soir, c'est nul. Oh! C'est de la merde, ton truc, c'est une pièce. C'est plus difficile pour dire que c'est de la merde. Bah oui, c'est important. J'en reviens dehors, non plus. Mais qu'est-ce qui m'attend derrière cette porte-là? Tu sais, j'ai l'impression d'être dans l'émission d'Arthur avec les boîtes. En fait, si tu veux que je t'aide un petit peu, ça sert à rien de visiter les autres, c'est les mêmes. Juste que tu prennes, s'il te plaît. Mais si c'est les mêmes, pour tous les jeux, je sache. Ah, mais j'aime bien s'il y a un sol en métal. Ça fait ting ting ting. C'est chaleureux. Oui. C'est, ça donne envie de rentrer là-bas. Ça fait bunker en fait. Petit côté abattoir, charcuterie, tu sais. Putain, on a Anne Frank, là on a la maison de la nazie. Et les gens ils sont tellement cons que sur les panneaux ils sont obligés d'écrire panneau. Genre, le mot c'est une chaise. Il n'y en a pas une avec du parquet, une cuisine aménagée. Ah, je l'aime bien celle-là, là, en vert. C'est le vert, j'espère. Et à chaque fois, il va dire mignon, c'est ça, mignon. Et j'ai un SMS. Il va me sauver. Personne ne peut te sauver, tu es seul. Tiens, mais là, c'est un bunker, là. C'est un bunker, ce truc. Arrête de visiter toutes ces maisons, dans une. Mais elles sont toutes moches! Je préfère dormir par terre, c'est plus joli. Bon, j'ai une heure, je peux visiter toutes les maisons, je suis tout. Allez, voilà. Déco! Non, c'est... Là, on est sur M6, c'est... achète ou loue... achète maison ou vend appartement, je sais plus. Il manque de... Stéphane Plaza pour nous présenter les trucs. Enfin, la place, on est trop de nous. Il me prend ta gueule, c'est moi aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Du parquet! C'est bien parce que je peux faire. Avec de la. Putain, mais ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché. De l'autre côté, t'avais du parquet avec un beau bois au mur, t'as super joli, tu peux mettre des trucs. Là, ils t'ont foutu de la tôle ondulée. Bon, bah, ça c'est bon. Il fout là. Il y a que 4 maisons, c'est ça? Peut-être pas. Il y en a que 4. Ah, c'est top, j'adore! Si c'était aussi facile dans la vie. Visite 4 maisons, moche. Choisis la moins moche, c'est bon, elle est à toi. Cette maison est à toi, mais trop de belle. Oh, c'est trop gentil. Présidente, seal of approval. Pas du tout. Seal of disapproval. Attends, c'est... Le mec est en train de te dire, si tu piques des trucs, c'est pas grave, personne ne va le voir, c'est trop bien. Tu es tellement ému. Et comme chez toi, chez tes voisins.
Moi, j'allais faire ça chez mon voisin. J'allais voir si ils disent que chez Nintendo, c'est courant, c'est comme la chouette dans Zelda qui parle pendant des heures. Tain, il manquerait plus qu'il y ait Navi. Listen! Listen! Bah, non, deux secondes, je vais aller voir si ça marche vraiment. Je vais aller visiter chez mes voisins pour faire un truc. Attendez, j'arrive. T'as pas le droit de partir, reviens! Du coup, je vais faire un spectacle de marionnettes. Pa, pa, pa. Bonjour, je suis une marionnette. Pa, 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 pa. Hé, hey, reviens, Fred! Alors, ça a marché ou pas? On fait des flics. On va faire confiance dans les têtes, hein? Tous avec moi. Génial! Ah non, c'est pas... bon, gyroïde. Il y a un problème de gyroïde, ça fait grossir, c'est ça? Tu verras, c'est ton assistant personnel, c'est que l'ancêtre du PD. Yeah. C'est ça que tu peux manger en même temps. Hein. Je te promets de pas déglacer ton tablier. D'accord. Pendant cette magnifique session publicitaire, pour rappeler que nous allons, à la fin du live, désigner le gagnant de ce coffret. Le coffret qui porte le numéro 573 ou 573 pour nos amis belges. Donc, il vous reste encore 30 minutes pour écrire un message sur le mur Facebook de Pixel Barbecue dans le message que tu as posté. Donc comme ça, vous pourrez avoir encore une chance de gagner. Appelez vos grands-mères, appelez vos cousins, et abonnez-vous. Et peut-être allez-vous remporter ce coffret magnifique. C'est pas mal de soutien de derby. Non. Tu joues une heure. À un niveau comme ça. Le mec est pas fou. Il a passé un quart d'heure à écouter des conneries. Quelqu'un se passe un rien à foutre de mieux, quoi, c'est vrai. Il va rien se passer, hein, c'est comme il a Animal Crossing. Il y a Kenzo qui vient d'arriver. Oh oui, redresse-moi le micro. Je vais chercher un oiseau qui appuie sur A plutôt. 19 800 clochettes. Oh ben merde alors. Tu veux me faire un prêt? Hey, reviens, où est-ce que tu vas? Tu dois... T'as pas le droit de sortir de ta place. Tu joues Animal Crossing. T'as de la chance, normalement t'avais un casque sur les oreilles. Non. Wow. 3000 personnes pour Stephen King. La pizza que t'as... Dans ton cul, trop de balles. Regarde ça. Allez, on va mettre des clochettes dans ton cul. Alors, il y a un grand débat sur la valeur de la clochette par rapport à l'euro. Ok, il te demande combien de clochettes, hein? 19 800. Bon, si on calcule avec un prix d'immobilier, on va faire moitié de faire un calcul. Donc, on va dire 20 000 clochettes. Ils font le trottoir! En fait, c'était un jeu sur le rejet des gens.
Tu n'as pas d'argent, je te rejette. Ça me suicide la bite. Mais non, je ferai pas ça. Je pense qu'un jour ce sera fini ce blabla ou. Un lopin de terre. Oh, tristement ce mot maintenant. Je peux pas te suivre! Il y a un god vibrant qui est là. Tu sais ça? Hé, danse avec moi! C'est ton gyroïde! Danse avec moi! Tu peux tourner, tu peux t'amuser avec lui. Danse avec moi! Wouhou! Je vais chercher des cibles tectoniques. Oh, je peux courir! Oh, c'est fou! Alors, quelle est ta mission maintenant, Fred? Je sais pas, mais m'en fous, je m'en vais. Je m'en fous. Tu peux changer d'écran, carrément. J'ai pris Jean Break. Voilà. Je me casse. Ah, je me suicide. Je me suicide, je veux plus vivre ici. S'il vous plaît, laisse-moi me tuer. On peut même pas mourir. C'est vraiment le savoir vivre. Plus de musique. Vas-y, joue maintenant. Ah, t'as l'air con. Il n'est pas possible. Bonjour, comment? Je suis coincé dans le menu. Tout effacer, jouer, je sais pas. Ça start, non? T'as réussi à trouver? T'as plus de musique. Oh, vite, attends. T'as la cagnette. C'est quoi ta vraie mission là? Tu vas aller chercher du boulot. Ah, tu dois aller chez Tom Nook, j'imagine. Ouais, bien sûr. Donc, au départ, je voulais aller sur les rails et me suicider. Oh putain, il y a déjà tout ça. Il faut que je dorme dans la rue. Donc si tu remarques, tu vois, sur la pendule, c'est la vraie heure. Parce que quand tu recommences le jeu, c'est toujours à l'heure actuelle. Que tu joues à n'importe quelle heure, ça sera l'heure en temps réel. Donc il est où à ça? C'est cool, il est juste à faire comme ça. Oh non! Un malencontreux événement arrive. Je suis bloqué par de l'eau. Je peux pas continuer le jeu. Non, les poissons t'indiquent le chemin. Oh, un pont, il va tomber. Ah, chat. Boutique Nook. Boutique Nook. C'est drôle à dire, c'est comment? Boutique Nook. Ils vendent des Scrabble. T'as vu, ils vendent des Scrabble derrière lui. Hein? Ah oui? Ils vendent du Scrabble. Ah oui, putain, bah ouais, ils sont en train de prendre des arbres. J'enfile pas ça, c'est les fous. Il l'a enfilé où? Il fout d'enfiler ça, il l'a pris, il se l'est mis dans le cul. Il va me regarder me changer. Il va me regarder me changer. Moi je sors. Je vais me changer dans les bois. Il sort vraiment. Tiens, rapide, bien rapide. Il est pudique.
surtout pas les pudiques. Hein. Dans ton cul, on est toujours pudique. On est pudique. Il l'a mis ou pas? Déchimante. Sur toi, tu le donnes. Ouais, mais c'est ce que je fais. Voilà. Ah, il était déjà mis. J'ai pas fait la différence. Quoi. C'est la gueule. C'est les gars, on dirait une bite ton truc. Ouf. Plutôt les couilles, parce que sinon elle a un problème. Oh oui, si tu veux. Voilà, je suis toute belle. Vous pouvez me prendre le cul. Allez, vas-y. Prends-tu, je regarde pas. Prends-moi le cul. Non. Hey. Ok, ça arrive là, mais... C'est le jeu qui risque à pleurer. Alors, quelle est ta mission, Frédéric? Quand il est fleur, je suis... Alors, où vas-tu planter cette fleur? Dans ton cul. Voilà. Et tu es dans ton cul. Là où planter fleur, toi? Oh là là, c'est joli, les gars. Ils disent que c'est très beau ce que tu fais. Je m'enfuis encore. Plante très bien les fleurs. Attention, c'est un monde ouvert de 500 mondes comme ça. Je peux perdre dans la carte. Et tu m'en encore après. J'ai tout nous faire dormir. Tu vas nous rendre cinglés là, avance Fred. Allez, va voir Tom Nook. C'est un circuit. J'avais fatigué, je suis sous drogue. J'ai pris des cacahuètes et des clochettes. D'ailleurs, on dirait une peanut géante. Hein? Une peanut. Le Sonic Racing du pauvre, nous le dit-on. Wouhou! Un autre circuit! Oh putain, le même! Non! C'est encore du plus fou! Hop, un raccourci, on ne sait rien dire. Ça, c'est vrai, ils disent que seul Fred peut voir un circuit à travers un sol comme ça. Je suis d'accord. Tiens, Fred. Voilà. Ah, c'est pas là, j'ai pas vu. Oh, putain, j'ai planté ça une fois, c'est vachement mieux. Une arc-en-ciel un peu plus dur. Thank you.
Concentre-toi, Fred. Concentre-toi. J'aurais dû l'appeler mes trous de balle, mais en majuscule. Comme ça, en fait, il aurait crié mon nom. Trou de balle ! Oh putain ! Alors lui, c'est Michel, lui, c'est Roger, lui, c'est Robert. Tu vas, pour la première fois, parler à quelqu'un d'autre que Tom Nook. Ça va faire rire parce qu'il y a des plantés et lui, plante des fleurs. On nous pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants dans ton cul ? Tout dépend de la circonférence. Mais pas Animal Gosling. Oui, ça c'est vrai, c'est bon. Peut-être remettre des pizzas. Encore faim. Moi j'ai plus faim. J'ai mangé de la merde avant. Tiens, il y a encore une part si tu veux. Je vais galérer pour manger ça en même temps, mais. Vas-y. Non, ça. Je suis vraiment ton assistant ce soir. J'assiste vraiment à ton insertion dans ton cul. Allez, trouve-nous un habitant là. Mais non, non, ça c'est les maisons à toi. Les habitants, ils habitent dans d'autres autres maisons. Où ça? T'as un plan là, regarde au-dessus. Oh! Un ours! Ça s'appelle Tutu? Ouais, ça s'appelle Tutu. Moi, c'est vous. Donc, Tutu habite à dans ton cul. Sacré ville. Tu veux savoir pourquoi j'ai dit mon nom? Je te présente, je dis ton nom, c'est normal. Et putain, mais ils sont tous en manque, hein! Fais de ton pote! Putain. C'est au chômage. Oh, un ballon de foot, j'ai tapé dans la gueule. J'ai juste lui parler il y a 5 secondes, hein! La balle peut tomber, mais pas toi! Ah non, oui. Aucune logique dans ce jeu! Aucune! Comment tu veux croire à un monde pareil alors que. Y a rien de logique? Oh putain, encore un circuit! Non, j'ai pas. Donc, une maison pareille, c'est. C'est un militaire! Ah putain, c'est une racaille en fait! Franchement, quoi! C'est Joe Star! Faites du bruit! Et un gros soir en plus comme Joe Star! Ça va dire bien bonsoir, quoi! Bien bonsoir, quoi! Je m'appelle Minos, quoi! À très bientôt, quoi! Et je t'aime, trou de balle! Oh, tu sais à quoi ça me fait penser? À une amibe.
Y'a que toi pour faire ça avec le sol. Je marche sur ta lumière. Je suis un fou. Windows. Windows. Je suis sûr c'est Bill Gates qui est à l'intérieur. Bill Gates. Sur votre fée. Oh, la fistinière. C'est la fistinière. Je vais me faire boiter. Bonjour, je m'appelle Trudeball, je vais me faire boiter. Exploser le mien. On est mal barré. Comme le dit d'ailleurs Kenzui, c'est toi qui crée la mode. On est mal barré. Ça va se passer. J'ai fait un t-shirt blanc. 5000 dollars. Enfin, 5000 crochets. Je peux dessiner quand même, en fait. Mais comment? Pas pour menu, je crois. Voilà. Oh, j'ai fait imprimer. Je peux prendre imprimer et quitter. Mais tu peux pas dire encore. Pas dessiné. Peut-être que tu parles à l'autre côté. Là, la machine. Et tous avec moi, on va compter le nombre de poupoules qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, il y en a 40! Je suis pas sûr, attends, on va recommencer. Quoi, ouais, d'avance! 1, 2, 3, 4. Oh putain, il est chiant. Oh, il y a des insectes! Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fred 40 aussi. C'est fou ce chiffre 40. Est-ce que ce serait un problème du stade anal? Fred, les gens s'ennuient, ils dorment. Mais moi aussi je m'ennuie. Mais avance, présente-toi aux gens. Voilà. On va commencer le jeu. Bonjour, je m'appelle Trudeball. J'ai des cornes. Ils disent en fait c'est pas Fred la victime, c'est nous. Comment j'ai retourné la situation? Je suis trop fort. Je suis pas président pour rien. Bonjour. Vous êtes. Ok, bon, on va chier. On va faire foutre là. Non, non, j'en reviendrai jamais. J'en reviendrai jamais. Magasin de merde. Oh, un coquillage. Oh, des coquillages partout. Et il s'est pas nagé, c'est ça? Faut aller plus loin? Faut aller prendre, si tu veux. Faut aller vendre, tout ça. Moi, je suis pas. C'est un bouton tout ça, vraiment. Oui, mais il dit ça, je vois. À la pêche, moule, moule, moule. Bon, il reste qui, là? Pour le village, t'as pas été voir. Le maire. Il faut y aller le voir. Bah, si tu vois, c'est un connard de socialiste. Ah non, non, non. Il est de droite. Bah ça c'est un musée, ça, c'est pas la mairie. Ah. Oh, un dinosaure. Mais t'as rien encore. Ici en fait c'est quand tu collectionnes des objets, tu les mets ici. Moi, par je voulais... exemple, quand tu déterres un fossile, il apparaît là. Moi je voulais voir un brachiosaure. Bah oui, mais t'as pas encore déterré.
J'encule une chouette. Alors, il est bon, Bobo, Bibou? Il est quelle heure, là? C'est nul comme idée, y'a rien. Ça craint ton idée, ça craint! Ah, ça c'est le plus dur, ça arrive. Acheter dans un connard qui vend des œuvres d'art qui sont fausses, un maximum d'œuvres d'art. Ça ne sont vraies. Appelle Thibaut. Thibaut. Ils disent le musée de merde, tu dois remplir toi-même. Thibaut. Imagine, le gars il s'appelle Thibaut, et directement dans son nom tu sais qu'il en est une petite en fait. Il a un Thibaut. Donc la bite dans ton cul. Comment ça la bite dans mon cul? Au jeu de mots. Ah. Tu sais pourquoi je vois le hibou, ça me fait penser à Winnie l'ourson. Et la Winnie l'ourson t'appelle Maître Hibou. En fait, Maître Hibou, au départ, il a été élevé par des chèvres. Et personne n'en voulait. Il leur chèvre parce qu'il n'était pas comme les autres chèvres. Et à un moment donné, il a dit « Ouais, va te faire Maître Hibou. » C'est depuis, il s'appelle Maître Hibou. Oh, c'est une pute! C'est Monique la pute! Regarde ça! C'est quoi ce maquillage? Bonjour, je m'appelle Monique. Je suis blonde, mais c'est pas ma vraie couleur. Bonsoir, tu veux me lécher le minot? Monique? Tu veux qu'il la tienne? Putain, mais comment elle est allumeuse celle-là? Tu serais pas mieux dans ton lit, minot? Minot, minot. Viens avec moi. Je prends pas ta porte et je rentre. Ah ah, t'es dehors. Je prends un fou. Oh, je sais pas. Oh, ça, la maison d'une prostituée. Oh, je suis bon. Je vais lui allumer. Ah, c'est pas un fou, ça. Attends, tu rentres chez les gens et tu changes leur musique comme ça. Tu veux du Frank Sinatra? Oui. S'il te plaît. Vraiment les chevaliers là. Ah, j'ai beau une lampe. Oh, une lampe! Une lampe! C'est vrai, Rebecca. Sur DS, on peut pas rentrer quand les personnages ils sont pas dans leur maison. La porte est fermée. Après, les Japonais ils se sont dit t'as le micro qui flanche là. Après les Japonais ils se sont dit mais c'est pas bien si on rentre chez des gens qui sont pas là. Alors on va changer ça dans les versions suivantes. Il y a des arbres dans mon cul. Alors il y a Marion Chan qui tweet oui, vite, venez rejoindre Trou de balle à dos ton cul sur Animal Crossing. Ah, je suis déjà allé là-bas. Allez, frère, il te reste 10 minutes de souffrance. Bon, tu peux te présenter aux autres habitants et réussir à commencer quand même tes besoins de jouer. Tu vois les trous par terre là, plus tard, et tu pourras avoir une pelle. Et avec une canne à pêche, tu peux pêcher, tu vois, t'as des activités un peu comme ça. Plus de musique ici. Y a Kenzo qui demande s'il y a une minimap. Si, mais on l'a plus tard. Il faut qu'il finisse déjà ses missions avec Tom Nook. Et après, on a la minimap qui peut s'ouvrir. J'adore ton visage.
Dépité. On le décharge. Visiter tout le monde là? Non, pas à droite. T'as pas été voir les gens là. Et t'es que. T'as pas vu à droite, je pense. C'est plutôt quelqu'un qui va sur la. Qui penche sur la gauche, un hein, cul, non? Bah oui, forcément, Lippo. Hypochondriaque, oui. Pourquoi il s'appelle Lippo? L'hippopotame? Eh non, c'est une vache. C'est un hippopotame. Que diable! Alors, ce qui est bizarre, c'est que tous les habitants ont l'air vénères. Moi, je pense qu'ils sont pas contents d'habiter dans ton cul. Bah non. Très bien, j'ai compris. C'est trop de balles, c'est ça? Ils ont tous les rénervés, ça me souvient. Ouais, ils disent qu'ils se souviennent de ton prénom aussi. Un nom qui marche. Ou qui tâche plutôt. En effet. Oh mon dieu. Il a l'air massé. Que se passe-t-il ici? Arrêtez-moi, s'il vous plaît! Ah, c'est la marée chaussée. C'est bizarre, sur les autres versions d'Animal Crossing, ils sont pas là tout de suite. Faut les débloquer. Je crois que la police, ils ont un rôle très limité dans les Animal Crossing. À part prendre un objet trouvé, ils font pas grand-chose. Ouais, la marée chaussée. Oui, ces objets perdus, c'est moi les ai perdus. Il est même pas capable d'écrire je crois sans que OIS soit pas écrit normalement. Ah, c'est à moi. Ouh, c'est fait moi. C'est tellement facile. Je vais chez le policier. Oh, ce truc là c'est à moi. T'es sûr? Oui. Ah ok, c'est à moi. Oui, c'est à moi. Il recherche Mickey, un homme bizarre. Dit qu'il est vert alors qu'il est mauve. C'est zéro, c'est plus cher, c'est ce que tu veux, c'est pas grave. Oui, il y a des individus qui sont recherchés. Bah oui, il y a Mickey, enfin Mimi. Et à gauche, on dirait le monde de Ralph. Ouais. Engage-toi. C'est un jeu fasciste! Non, il y a quoi? Ah, il y a une cochonne. Ah oui, à gauche, ton stick de droit. Tu peux vraiment tourner, non? Ouais, non. Putain. Dans les pièces, normalement, tu peux tourner uniquement. Oh merde. Je suis vraiment entré dedans. Ouais, après. Ça peut être très configuré. C'est le pâté, j'en viens nous voir. Thank you.
Bah, je vais devoir tirer au sort, moi, pour l'instant. Ouais. Tu vas tirer au sort si tu as gagné. Est-ce que ceux qui sont présents ont plus de chance ou pas du tout? C'est toi qui décides. Je vais mettre en corrélation avec le commentaire, voir ça. Est-ce qu'il y a des gens, à ton avis, qui sont présents en ce moment connectés, qui ont envie de le gagner ou ils sont fous? Bah, tu leur demandes. Bah. Qui, celle qui, en... qui a déjà mis un commentaire? Sous quel nom? Et qui a vraiment envie de le gagner? Alors, il y a des gens qui disent et qui s'en foutent, et d'autres qui sont « je veux ». On ne dit pas « je veux », on dit « j'aimerais », déjà, ou si on est poli un peu. Parfois tu dis c'est héros, ça peut être un peu bien. Ouais. Les gens ils proposent que tu changes de jeu, ils en peuvent plus. Je propose pareil là. Je n'en puis plus, non plus. Je vais jouer dans ma maison. Je vais mourir dans ma maison comme Anne Frank. C'est pas ma maison. Et l'autre imbécile qui bougeait pas, donc j'ai connu, c'était pas plus. Oups. Là. Et où? Ici, c'était le. Avec jeu gagnant. Je vais vraiment tirer au sort. Ouais, t'as pris quelqu'un qui était aussi sur le chat hein? Non, par contre, je pense pas qu'il soit sur le chat hein. En fait, je sais pas. Moi, je dis que quand même, pour le courage d'avoir une humeur, déjà. Oui, tu veux que ce soit quelqu'un sur le chat? Eh bien, je vais te tirer. Mais il faut comparer avec le message qu'ils ont mis sur Facebook. Si le message, c'est juste « je veux le jeu », alors, simple. Ok. Fred, gauche ou droite? Droite. Est-ce qu'on fait gagner un lot de consolation? Non. Alors, nous avons notre gagnante. Oui. Oh putain, je saigne! Je saigne! Alors, j'ai vraiment tiré au sort. Et on avait un gagnant sur la page Facebook. Et ensuite, j'ai tiré au sort quelqu'un sur le chat en même temps. Puis, j'ai retiré au sort sur Facebook. Il faut que... La chance ultime, c'est que c'est tombé sur elle. Ok. Ah bien, c'est toi qui vas l'annoncer. Tu la connais, je pense, en plus. Je saigne! Est-ce que c'est ce jeu? Je sais vraiment. Je sais beaucoup. Regardez ça. Tiens, Fred, c'est elle la gagnante. Je te laisse l'annoncer. En quoi? En orange? En rouge. En rouge? Oui. Ah, comment on prononce ce mot? Je sais pas. Je sais pas comment on prononce. Alors, c'est. C'est comme Margot, sauf que le O c'est un X. Donc c'est Marxt. Marxt. C'est Marx. Il s'appelle réellement Margot en plus. C'est Karl Marx. C'est Karl Marx qui a gagné. Toujours lui. Lénine, lève-toi. Voilà Margot. Donc t'as gagné ça. C'est où en fait? Voilà. Tu veux que j'ouvre ça et tu peux présenter ce qu'il y a à l'intérieur? Quand Margot décrope son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot qui était simple et très sage. Alors, il y a un bouquin, il y a un petit livret, il y a le jeu, c'est déjà pas mal aussi ça. Il y a des codes pour le multi, si je me rappelle bien, qui sont sous forme d'un espèce de paquet d'allumettes. Il y a des DLC en forme de paquet d'allumettes.
Et surtout... Tu peux essayer de mettre comme ça si tu peux. Là, on voit pas en fait. C'est ouais, mais il n'y a rien dedans, de toute façon, c'est écrit, ouais. C'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'OST, donc la bande sonore. Voilà. Qui est sous forme d'une cassette. Audio. Par contre, juste pour rassurer. Une clé USB en fait. OST dedans, mais. Et forcément, de marque Sony. Déconner. Un joli petit dessin dedans. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, mets-nous une petite musique là pour sortir et quitter ce magnifique live. Alors, est-ce que ça t'a donné envie d'acheter une 3DS et de jouer à ce magnifique jeu après? T'es sérieux, tu me poses vraiment la question? Non, je te pose pas la question. Ah oui, regardez, il y a un trou de balle là-dedans. Si on le voit bien, il y a un trou de balle. Là. C'est vrai, un vrai trou de balle. J'ai mis mon doigt dans le trou de balle. Oh là là, des blagues pipi caca. Dis donc. Bien voilà, c'était Fred. Il a souffert. Vous avez souffert. Il ne jouera plus jamais de toute sa vie à Animal Crossing. Je crois qu'il a perdu une heure de sa vie d'ailleurs. Mais je ne la regarderai jamais cette heure. Non, et... J'écris une lettre à Nintendo. Tu peux. Nintendo. J'ai perdu ma vie. Enfin, une heure de ma vie. moi, j'adore Animal Crossing. Ouais, c'est parce que je suis différent. Tu es différent. Dans tous les cas, oh, mets de la musique en même oui, temps. Oui, attends, je suis en train de le faire. Mais non, mais descends là, mets la musique du jeu. Ah non, la musique du jeu, je m'en fous. On vous donne rendez-vous. On joue pas avec un autre jeu un petit peu. Tu veux mettre un autre jeu? Ouais, histoire quand même qu'il soit pas là juste pour bien sûr. Dans tous les cas, pour. J'allais vous dire, on vous donne rendez-vous pour Cœur de Pixel, mais ça. Ouais, sur Pixel Barbecue, sur les forums, sur la page Facebook. Mais ouais, complètement. Sur le Twitter. Tu veux jouer à un truc rétro ou un truc nouveau, Fred? Peu importe, mais pas ça, c'est bien. C'est... Alors, je propose que tu fasses un blind test en même temps maintenant. Voilà, le voilà. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one man. C'est quoi cet homme tout nu? C'est mon avatar dans. Comment il s'appelle? Ouais. Alors, moi j'aimerais que tu nous fasses une partie. Tu veux leur faire découvrir ça? Je suis pas sûr qu'ils connaissent. Trop long. Trop long. Et puis il faut connaître l'anglais pour bien rigoler, mais. Alors attends. Tu as signé qu'ils connaissent pas l'anglais? Non, mais c'est parce que c'est écrit, machin, c'est très long. Point and click, ça c'est pas forcément intéressant. Tu veux leur faire découvrir ça? Putain, là, tu vas les faire souffrir ça. Attention, on va changer! Et ça c'est quoi? Ouh! Ah ça, c'est passé pour nous connaître. J'ai déjà mes nouvelles hein. Ok. Je sais pas s'il y a encore des gens, mais du coup. Ah bah il y a encore des gens, ouais.